Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous présente des biscuits vegan délicieux. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour ces biscuits vegan. Vous allez avoir besoin de 60 g de sucre de canne, 100 g de poudre de noisette, 150 de farine de blé, 50 ml de lait de soja au choix, 3 cuillères à soupe de margarine végétale, 1 cuillère à café à cannelle et 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Vous allez préchauffer le four à 150. Suite à quoi, vous allez mélanger tous les ingrédients secs comme je fais sur la vidéo. Ensuite, vous venez mélanger tous les ingrédients secs. Moi, je les fais avec une petite spatule. Une fois que vous avez bien tout mélangé, les produits secs, vous venez ajouter tout ce qui est mouillé. Et ensuite, on va procéder au pétrissage de la pâte à la main. J'ai oublié de vous dire, mais le beurre, il ne faut pas le faire fondre au micro-ondes, mais le laisser à température ambiante. Ensuite, on vient tout mélanger à la main. Et ben oui, c'est un peu cracra, mais il faut ce qu'il faut. Pour cette étape, je viens ensuite ajouter mon lait de soja. J'ai dû rajouter au fur et à mesure un peu parce que ma pâte ne collait pas, donc peut-être que vous aussi voudriez le faire. Ensuite, la partie la plus délicate, venir tout mélanger. Au début, je le fais avec une spatule, ensuite je passe à la main pour obtenir une belle boule. Ensuite, rien de plus simple, vous venez juste aplatir votre pâte. Vous allez ensuite choisir vos emporte-pièces et les découper. Moi, j'ai choisi des emporte-pièces en forme de Noël car j'étais encore en période. Ensuite, dernière étape, vous allez mettre tout ça au four et enfourner pour une quinzaine de minutes. Voilà, vos biscuits sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à les déguster. Dites-moi en commentaire si vous avez reproduit la recette et si vous avez aimé. Comme vous le voyez, moi je l'ai dégusté avec un bon thé, c'était juste délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous.